Il aura fallu du temps, beaucoup de temps pour que triomphe enfin la vérité. Il aura fallu du temps pour que l'une des plus grandes impostures du XXIe siècle soit dévoilée à la face du monde. Le Rwanda est interpellé par le Conseil de sécurité pour son soutien au M23. Que de temps et de vies humaines sacrifiées sur l'autel des minerais. The blame game does not solve the problems. Un peu facile. La vérité, on la connaît. Et elle est désormais officielle. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Après le rapport des experts de l'ONU qui présentait des éléments clairs de son implication directe dans le chaos dans l'est de la RDC, beaucoup commençaient à s'interroger de savoir jusque quand la communauté internationale se taira sur cette agression du Congo par le Rwanda. Lâché par son traditionnel protecteur américain qu'il a couvert et financé jusque-là, qu'il a protégé pendant tant de décennies. It's implemented, I think it offers tremendous promise for ending the current conflict and hopefully leading to more durable stability in the eastern DRC. Now, a big part of that is M23 genuinely pulling back. And there, we are looking to Rwanda to use its influence with M23 to encourage that and to move that forward. At the same time, any militarized non-governmental group needs to stand down. And that includes groups like the FDLR. And we're looking for all sides to use their influence to ensure that that happens. Rwandan forces need to pull back. Le soutien du Rwanda s'effrite. L'omerta qui accompagnait cette guerre semble désormais se fissurer. Jusque dans les assemblées les plus silencieuses, les tabous tombent. Il est avéré maintenant, depuis des années, même par les Nations Unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne? Que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non! Les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Cette politique, où on dit en mots, en paroles, que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité, notre politique, l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite, parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin de paix aujourd'hui. Coup de grâce. La France qui avait renforcé ses relations avec Kigali, qui était devenu l'un de ses principaux soutiens, qui montrait le régime presque un modèle, allant jusqu'à reconduire Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie, le lâche à son tour. Elle invite très clairement à cesser son soutien au groupe terroriste M23. Elle vote pour les sanctions au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est en faveur d'une disposition qui répare une injustice criarde qui empêchait à la RDC d'acheter des armes pour se défendre contre les groupes armés qui l'attaquaient. Désormais, c'est officiel. C'est connu. La vérité est sue de tous. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif,
tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Nous avons des preuves. On a fait des prisonniers qui étaient rwandais avec bien estampillés sur leur uniforme les trois lettres RDF. Nous avons à plusieurs reprises trouvé soit des corps, soit des restes de tenues, de bottillons, en tout cas des preuves, plus que des preuves, que de la présence rwandaise. Donc de là continuer à nier, c'est là la preuve qu'il y a une mauvaise foi. Rwanda is accused by the US or by anybody, but they are silent, deliberately, I guess, on issues of FDLR that have been there for the last 25 years. This is, so you would imagine, in fact, when you hear people say those things you just mentioned, it's as if Rwanda is just a troublemaker. They went into Congo, they started the war, they are doing this. They're even silent about the bombings of our territory by Congolese army. They are silent about infiltration in 2019, in November, of these FDLR who entered into the northern part of our country and caused mayhem. À la vérité, c'est lui qu'on a écouté pendant ces 30 dernières années. C'est son argument sur la protection de la minorité Tutsi qui a prévalu. Il fallait protéger la minorité Tutsi d'un autre génocide. Un argument qui faisait mouche en raison du sentiment de culpabilité de certaines grandes nations après le génocide de 1994. Mais le Congo, c'est plus de 450 ethnies, avec au moins une centaine de minorités. C'est mon bonheur. Bakona tafuta benye bakona winda batusi oro si etunaika pamoya na batusi atuya tabya makutime si ni bamoe. Le Rwanda a déployé dans les environs de Changzhou 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Soda ba Rwanda benye biko banatokea kule Rwanda ba soda ba Kagame. Yo atuwezi sema kama ni ba soda bengine. Ni ba Kagame biko banatokea Rwanda. Kagame mwenyewe anabifanya juu tunaona ni ba soda banavaa madrapo za Rwanda. On dit que nous sommes nous les Tutsi congolais qui vivent en RDC sont en train de traiter de génocide, d'être génocidés ici en RDC. C'est faux, vraiment c'est archi faux. Vous remarquerez que c'est aux seuls Congolais que l'on demande jusqu'à présent de négocier avec leurs compatriotes rebelles sans jamais pousser Kigali à le faire avec l'FDLR, un groupe d'exilés Hutus rwandais dissidents de l'armée de libération du Rwanda qui s'est transformé en FDLR en mai 2000. The security situation in eastern Congo is worse than ever. To explain this failure, some in the international community blame Rwanda, even though they know very well that the true responsibility lies primarily with the government of the Democratic Republic of Congo, who refuse to address the root causes of the problem, nowhere else. They speak the truth only in whispers, afraid to displease the Congolese government and compromise their own interests. But in fact, they embolden leaders of the DRC to take more and more drastic steps to consolidate its populist base, in the process hurting their own people. Even though the United Nations group of experts documents the collaboration between the Congolese army and FDLR and other militias, not to mention the alarming rise in hate speech, these items are virtually ignored as if they are of no consequence. Que de vie perdue. Malgré ces dénégations, le président Paul Kagame, qui pendant près de 30 ans était le seul à être écouté, qui pendant 30 ans était présenté comme la victime, l'ombre du génocide était magnifiquement exploitée, semble ces jours-ci inaudible, en tout cas moins soutenu. Aujourd'hui, la communauté internationale est unanime et désigne Kagame comme la source de nos problèmes. Comment expliquer cette volte-face, ce changement d'attitude de la communauté internationale? Le Rwanda commence petit à petit à être mis à sa place, c'est-à-dire c'est un pays qui agresse, c'est un pays qui a profité pendant 25 ans de ce laxisme, si je peux dire,
cette complaisance de la communauté internationale. Le Rwanda avait la capacité de faire voir son dynamisme à l'intérieur et de faire ressortir le manque de dynamisme à l'intérieur de la RDC. On va faire semblant de croire à la bonne foi des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et de la France, qui donc décident enfin de condamner le soutien du Rwanda au groupe terroriste M23. On va faire semblant de penser que leur puissant service de renseignement n'avait pas établi le lien dont nous parlons depuis tant d'années entre ce mouvement terroriste et les autorités de Kigali. Ne dit-on pas mieux vaut tard que jamais ? Même si on fait presque tous de croire qu'elle n'était pas au courant des exactions commises par les groupes armés suscitées par Kigali en RDC, on sait que plusieurs facteurs ont joué pour ce revirement, pour ce changement d'attitude. Un phénomène nouveau change la donne en Afrique, au sud du Sahara, depuis bientôt 5 ans. L'éveil des consciences, la volonté de liberté des jeunes Africains, une soif qui a fait naître un peu partout, en partie grâce aux réseaux sociaux, une opinion publique plus forte, plus véhémente, plus affirmée, plus vindicative. Dans le cas de la RDC, elle s'est plus que jamais manifestée par un ras-le-bol devant le mépris et la condescendance affichée par certains Rwandais et par le président Paul Kagame. La RDC, c'est le malade africain typique, tout le monde aide la RDC, mais les Congolais ne veulent pas sortir de leurs problèmes. Maintenant, ils parlent devant des jeunes qui l'acclament. En fait, quand je vois ces jeunes-là l'acclamer, je dis, en fait, ces jeunes méritent ce président, parce que, comme on dit, la société mérite les tyrans qu'ils ont choisis. Si Tshisekedi arrive à faire du populisme à Kinshasa en disant que lui, il est capable d'aider les Rwandais à se débarrasser de leur chef d'État, alors qu'il n'est pas capable d'aider les Congolais à se débarrasser des 150 milices, est-ce qu'il se fasse applaudir? Donc on est dans une sorte de transe collective où la raison est sortie, n'a pas été invitée à la réunion. Et donc, quand je vis Tshisekedi s'en prendre violemment au président Rwandais, il n'est pas le premier à le faire. Tous les politiciens, les populistes, Mukwege le fait tous les jours, Fayulu le fait, Mozito, c'est un monsieur qui était politicien, qui était premier ministre à un moment donné, il a demandé à ce qu'on puisse que la RDC fasse la guerre au Rwanda. La RDC n'a pas d'armée. C'est pour ça qu'il y a une centaine de pays du monde entier qui contribuent pour créer une force de maintien de la paix en RDC. Ils n'ont pas d'armée. Quand ils demandent de faire la guerre au Rwanda, je me demande s'ils vont le faire avec des lance-pierres. Je n'ai rien compris. Mais quand ils disent ça, et puis on se dit, mais où est-ce qu'on va commencer le débat avec ces gens? Alors que le président Kagame a offert depuis le premier jour à l'aider à se stabiliser, à s'organiser, à être connu dans le monde entier, peut-être à l'aider à former une armée. Il y a d'autres chefs d'État en Afrique, je ne vais pas les citer, qui demandent l'aide au Rwanda, et le Rwanda offre l'aide, et c'est généralement, c'est très très positif, tout le monde le sait. Le Rwanda est le troisième contributeur de maintien de la paix en Afrique. Tshisekedi, s'il était de bonne foi, on serait en train de maintenir la paix en RDC. If for a country headed for elections next year is not trying to create grounds for an emergency so that elections don't take place. Well, not that he won the first elections, as we know. So if he's trying to find another way of having the next elections postponed, then I would rather he use the other excuses. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, là, non? Un chef d'État aux affaires depuis près de 30 ans qui donne des leçons de démocratie à son homologue qui en est à sa première législature. Un chef d'État qui tripatouille la Constitution pour faire sauter le verrou de la limitation des mandats. Un chef d'État que l'on élit à plus de 80% à tous les coups, qui ironise sur le probable report de scrutin que l'autre envisagerait. Amusant, non? Bref, chacun voit midi à sa porte. Au-delà du mépris que ne supportent plus les Congolais, il faut reconnaître que quand même, pour une fois, la forte réaction, l'implication personnelle du président Félix Tshisekedi aura porté en interne et à l'international. Malgré son air de ne pas trop y toucher, sa communication aura bousculé celle très organisée et très structurée de son voisin rwandais. Jusque-là, ses prédécesseurs qui s'étaient compromis avec le régime de Kigali avaient du mal à se faire entendre. Ils étaient peu crédibles dans leurs dénonciations. Ils avaient un peu de mal à s'attaquer de façon frontale au président rwandais avec qui ils avaient autrefois conclu des accords parfois pas très avouables. Ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi, non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale,
Je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Un appel qui a fait écho, qui a séduit de nombreux Congolais qui se sont bousculés pour rejoindre l'armée afin de défendre l'intégrité de leur pays. En réalité, les événements de ces deux dernières années ont contribué à souder les Congolais derrière leur drapeau, à prendre plus que jamais conscience qu'ils ne peuvent rien attendre des autres et qu'ils doivent défendre leur pays par eux-mêmes. C'est assez brutal, c'est assez violent, mais j'ai trouvé que c'était la meilleure façon d'attirer l'attention sur ce qui se passe au Congo maintenant depuis 30 ans, notamment à l'Est, dans le Kivu. On parle de plusieurs millions de morts. J'ai même pas envie de donner le chiffre, parce qu'à l'heure où on parle, il y a encore des coups de feu, il y a des femmes violées, il y a des enfants massacrés. Ça se passe à l'Est du Congo, notamment pour l'or, le coltan et tout ce qu'on connaît. Et le Rwanda a une grande part de responsabilité là-dedans. Donc j'ai voulu attirer l'attention avec ma musique, dans mon album, vu qu'aucun média va m'inviter pour parler de ça ou quoi que ce soit. Donc j'en parle dans mon album. À la communauté internationale, je condamne votre inaction dès lors que les rapports du groupe d'experts des Nations Unies prouvent l'agression explicite du Rwanda qui se cache derrière le M23. Je vous exhorte, communauté internationale, ainsi d'assumer la responsabilité qui est la vôtre en dénonçant ouvertement l'agression rwandaise et en exigeant le retrait sans délai de ces troupes agissant via les M23. Que ce qui est en train d'arriver avec la guerre du M23, c'est un réveil, c'est un appel à l'action, un appel au changement. Et nous n'avons pas d'autre choix que de construire notre armée. Et donc, c'est une occasion pour le faire. En tant que Congolais, en tant qu'Africain, je voulais très respectueusement m'adresser à M. Kagame, le très, très bon président rwandais. Je sais qu'il a un cœur. Je sais que dans son cœur, Dieu a mis de l'amour. Et je sais qu'il est Africain, panafricain. Ce qui se passe dans l'Est de la RDC depuis deux décennies, ça lui rapporte quoi? Quel est le plaisir qu'il retire en voyant mourir des innocentes femmes, en voyant être violées, se faire violer des jeunes filles, des jeunes enfants qui meurent? Moi, je ne veux pas faire un rapprochement avec ce qu'on appelait l'Holocauste, tout ça, à l'époque d'Hitler, mais c'est quand même terrible. Je lui dis merci parce qu'il a ravivé le patriotisme de tous les Congolais. C'est vrai que l'attitude du président Paul Kagame a manifestement contribué à souder les Congolais qui n'acceptent plus cette incursion, cette invasion de leur pays. Ils ont également compris les raisons réelles de cette instabilité dans l'est de la RDC. C'était dit jusque-là, mais ce n'était pas écouté. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont les Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici. Qu'ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais. Et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est un scandale permanent. Des pays africains entrent en République démocratique du Congo, prennent les ressources dont ils ont besoin et repartent. Quand les Belges ou les Français ou les Américains ou les Chinois le font, nous crions. Mais quand des Africains le font, on appelle à des négociations, à des etc., etc. Il y a des injustices que des Africains commettent sur d'autres Africains. Il ne s'agit pas de stigmatiser le président Paul Kagame, que nous avons tous présenté depuis quelques années comme un dirigeant modèle, visionnaire pour son pays. Personne de raisonnable ne peut mettre en doute son amour, son dévouement pour son pays. C'est un fait, il aime et avec passion. Mais cet amour ne peut se faire au détriment d'un pays voisin. Sinon, ça s'apparente à une tentative de colonisation. C'est exactement ce que l'on reproche aux grandes puissances occidentales qui arrivent, divisent, qui déstabilisent pour mieux asseoir leur suprématie et confisquer les richesses. Je me refuse de penser que celui qui prône le renouveau africain, l'unité africaine, qui promeut la ZLECAF, la zone de libre-échange africain, soit le même qui déstabilise le pays qui pourrait être
le moteur de développement du continent, même s'il y tire une partie importante des revenus qui permettent de développer son pays qu'il dirige comme on mène une armée. Il y a là comme une contradiction. Oui, le Rwanda a besoin des richesses du Congo, mais il doit négocier en toute intelligence avec son grand voisin. Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons des voisins à vie. Moi, je vous propose de mettre ensemble deux projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous, vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigali à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekedi, porteur de ces messages. Et le président Kagame était tout à fait partant. On a beaucoup avancé jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y ait des intérêts obscurs qui ont fait que voilà, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant que la communauté internationale semble sortir de son hypocrisie, maintenant que les grandes nations, devant l'incurie, devant la cruauté d'un homme, décident de reconnaître la vérité, acceptent de reconnaître son tort, que fait-on? Comment expliquer à ces damnés de la Terre, ballottés, trimballés de lieu en lieu depuis une trentaine d'années, que l'on ne savait pas? Les Congolais n'ont pas cessé de le dire, même si beaucoup de médias ont pris pendant tant d'années le parti du Rwanda. L'agresseur est dénoncé. Il s'est toujours caché derrière ses supplétifs des M23. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que c'est Kagame qui fait la guerre au Congo. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne suffit pas de dénoncer et de s'arrêter là. Il faut aujourd'hui, après avoir reconnu Kagame comme animateur d'un régime agresseur, que des sanctions lui soient imposées par la communauté internationale. Je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut les contraindre à stopper net tout ce qu'il est en train de faire dans notre pays. En effet, cette reconnaissance de la culpabilité du Rwanda par la communauté internationale ne doit pas se limiter à des déclarations de bonnes intentions. Elle ne doit pas s'arrêter à cette courte période que nous vivons. Elle implique beaucoup d'autres choses. Elle contraint ces organisations, ces institutions internationales et ces puissances à reconnaître le génocide qui s'est perpétré dans cette région de l'Est du Congo depuis 1998. Depuis la montée de l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila, dirigé par le Rwanda et l'Ouganda sur Kinshasa. Plus Kabila sur son téléphone satellite, il a décroché et je lui ai dit qu'on avait pris Kinshasa. Il m'a dit « Tu es sûr ?» Je lui ai dit « Tout est fini, tu peux venir ». Il répétait « Tu es sûr? Tu es certain ?» J'ai compris qu'il était dans sa maison de Lubumbashi et qu'il sautait au cou du lieutenant-colonel Morokori. Il l'a même fait tomber par terre. J'entendais Morokori appeler à l'aide parce que Kabila l'étouffait. Vous imaginez Kabila par terre écrasant Morokori de tout son poids? Il avait du mal à respirer. Kabila hurlait. Je suis le chef, j'ai le pouvoir. Je suis le président du Congo. Je suis tout. C'est vraiment une période souffrance. On a perdu beaucoup de membres de la famille. Il y a une ville, disons, un village appelé Moussekera, dans lequel je suis né. Alors, on a exterminé tous ces villages. Tout le monde, on les a exterminés. Les membres de la famille, on les a exterminés. Et je ne reste que moi avec la maman qui est restée seulement. Les organisations internationales, mais surtout les Nations Unies, dans les différents rapports, parlent de 6 à 10 millions de personnes victimes de la vendetta rwandaise, des crimes des groupes armés soutenus par Kigali et ses alliés dans cette région. Qui pour répondre de tous ces crimes? Les anciens alliés de Kigali le dénonçaient déjà dès leur rupture avec le Rwanda. On se souvient ces propos du président Laurent Désiré Kabila, qui avaient bénéficié de leur soutien financier et militaire pour accéder aux affaires en 1998. Le Congo actuellement est en train d'être saigné à blanc. Les fraudeurs font traverser des centaines de kilos d'or par semaine, en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité, mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir. Ce qui importe, c'est que désormais, l'argument de la protection des minorités, tutsis de l'Est du Congo, vole en éclats.
En RDC, on compte plus de 450 ethnies, donc une centaine de minorités. Imaginez le prix à payer si elles devaient toutes se mettre en guerre pour réclamer un traitement spécial ou pour se protéger. Dans ce cas, le Congo n'existerait tout simplement plus. De quoi sont réellement coupables ces populations pour mériter un tel sort? Quel est donc ce crime inexpiable qu'ils ont commis pour être ainsi oubliés, abandonnés du monde entier, pour errer d'un enfer à un autre de façon cyclique depuis des décennies, pour être laissés en pâture aux bandits, aux groupes armés et barbares qui écument leur région? Au moment où la planète entière vit au rythme de la guerre en Ukraine, où chacune des grandes puissances joue sur tous les tableaux pour convaincre le reste du monde de soutenir les pauvres Ukrainiens attaqués par le barbare russe, comment humainement, rationnellement, leur expliquer à eux qu'ils doivent être du côté de la victime ukrainienne? Et eux alors, ne sont-ils pas des humains? Ne méritent-ils pas l'attention, l'intérêt du reste de la planète? Sont-ils faits pour être des victimes, pour souffrir de la folie des autres? Quelle crédibilité accorder au grand discours sur le bien et le mal, sur la justice internationale distillée à longueur d'années, sur les antennes, sur les médias internationaux? Aujourd'hui, avec cette décision du Conseil de sécurité de sanctionner le Rwanda dans son soutien au M23, ou du moins de reconnaître son implication dans cette déstabilisation, se pose une réelle question de logique. Si la RDC est envahie par un voisin, qu'attend donc la communauté internationale pour avoir la même réaction militaire que dans le cas de l'Ukraine? Qu'attendent donc les grandes nations pour déployer une action militaire proportionnelle au drame causé par cette situation? Il ne faut pas rêver non plus, les intérêts ne sont pas exactement les mêmes. Mais j'ai la faiblesse de penser que ces grandes nations se trompent, à moins qu'elles fassent un calcul beaucoup plus vicieux, celle d'une RDC instable. Mais elle est plutôt une solution à regarder de très près. Ce qui se passe dans l'est de la RDC doit être connu du grand public. Ne pas l'expliquer, le silence serait complice de ce crime de non-assistance à peuple en danger. Mais c'est à la jeunesse africaine en général qu'il faut prendre le temps d'expliquer cette incongruité, cette injustice, et la laisser découvrir ce qu'elle gagne à mettre un terme à ce conflit qui enrichit les grandes firmes et les grandes puissances au détriment de tout le continent. Lorsque c'est dit ainsi, beaucoup crient tout de suite au populisme, le mot à la mode. Mais la réalité est largement au-dessus de ce que l'on peut imaginer, largement au-dessus des fantasmes des uns et des autres, quelle que soit leur opinion. Et si on parlait franchement en ce qui concerne la guerre dans l'est de la RDC, qui a intérêt à ce que ce pays soit en paix? À qui bénéficie vraiment la paix dans ce vaste territoire doté de toutes les richesses nécessaires pour la transition écologique? Lorsque l'on parle de la RDC, on a le sentiment qu'il s'agit d'un conflit comme les autres. Non. Ce qui se joue ici est vital pour le continent tout entier. C'est pour cela qu'il est absolument urgent de comprendre les enjeux de cet interminable conflit dans cette région où le noir est encore réduit en esclavage, même par ceux qui n'étaient pas des colons au moment où ce vaste territoire était tenu par le roi Léopold II de Belgique. Pourquoi ce pays fait-il l'objet de tant de convoitises, notamment sa partie est? Ce conflit dans l'est de la RDC concerne tous les Africains. Sa fin marquera un tournant décisif dans le développement et la libération économique de l'Afrique du Caire au Cap. Tenez, nous sommes désormais 8 milliards sur la planète. Et le principal objet de communication que nous utilisons tous est ce précieux objet, le téléphone portable. Jusque dans les villages les plus reculés, même des pays les plus pauvres, les mamans, les papas, les enfants en possèdent un. On commerce même désormais dans nos villages grâce à lui. On vend 130 millions de smartphones par mois, soit 1,5 milliard par an dans le monde. Un commerce qui a généré en 2020 pas moins de 409 milliards de dollars. Pour qu'il fonctionne bien, pour que sa batterie ne chauffe pas et vous explose dans les bras, il faut absolument ceci. C'est du coltan. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi ceci, le cobalt. Le principal endroit du monde où est tiré ce précieux minerai sans lequel le téléphone ne serait pas viable, c'est ici dans ce pays. La RDC à elle seule possède 80% des réserves mondiales, rien que dans cette région de l'est du pays, le sud et le nord Kivu essentiellement. Sans lui donc, pas de téléphone portable. Tout le monde sait que le coltan, la capitale du coltan, c'est Walikale. Tout le monde sait que ce coltan prend la direction des industries en Occident pour soit les avions, soit les téléphones portables. Imaginez juste un instant, rêvons juste un instant, que sur chaque téléphone portable
La RDC tire juste 10 dollars. Cela ferait 1 milliard 300 millions de dollars par mois, soit plus de 15 milliards et demi de dollars par an, rien que pour le coltan utilisé pour les smartphones. Je ne parle même pas des autres outils numériques, oui, les fusées, les avions qui utilisent le coltan, c'est-à-dire plus du budget de 2021 de la RDC, qui pourtant depuis 2 ans a quadruplé. Oui, vous avez bien entendu. Figurez-vous qu'aucun des fabricants de ces téléphones n'achète directement sa matière première, son coltan ou son cobalt, à l'État congolais. Alors qu'elle possède 80% des réserves mondiales, la RDC n'exporte officiellement que pour un peu plus de 80 millions de dollars de coltan, c'est-à-dire moins de 3% de ce qu'elle aurait pu toucher, rien que sur les quantités générées par les seuls smartphones. En 2000, une pénurie mondiale et une hausse des prix du tantal tiré du coltan auraient empêché la fabrication de la PlayStation 2 de Sony en quantité suffisante. Ce coltan dont on tire le tantal, qui est également utilisé pour les super alliages en conditions sévères dans les missiles, les fusées et les avions du fait de sa résistance à la chaleur, comme à la corrosion, est un minerai stratégique. Regardez dans quelles conditions ce minerai qui nous donne nos appareils électroniques est encore exploité, au pic et à la pelle, comme au Moyen-Âge. Rien, absolument rien, n'est mécanisé. Les hommes creusent d'abord dans la paroi rocheuse. En dessous, ils peuvent trouver ces cailloux de coltan qu'ils cassent à coups de massue. Voilà une manne stratégique qui, encore une fois, échappe à la fois aux Congolais, mais également aux Africains en général, qui sont spectateurs des richesses de leur sous-sol. Ils sont juste consommateurs de produits finis qu'ils rachètent à prix d'or. Ce n'est pas tout. La RDC, c'est vraiment la cour des miracles. Regardez ce qui désormais est considéré comme la voiture du futur, la Tesla, dont le fondateur Elon Musk est certainement l'homme le plus fortuné du monde du moment. Le propriétaire de Twitter. Pour fabriquer ce bijou de technologie à laquelle moi-même j'ai succombé, il faut encore ce précieux minerai, le cobalt. Le cobalt est un métal particulièrement sollicité par les technologies vertes mobilisées par la transition énergétique. 80% du cobalt est consommé pour fabriquer des batteries lithium-ion. En plus, la qualité du cobalt congolais est la seule capable de répondre directement aux spécificités techniques des produits électroniques de pointe. Dès lors, l'on peut spéculer sur le fait qu'à ce jour, la RDC est le seul producteur du cobalt qui se retrouve dans toutes les batteries et les smartphones du monde. La RDC est encore une fois la première réserve de cobalt au monde. Toutes ces voitures électriques qui circulent dans le monde et qui sont devenues, selon les experts, l'une des solutions à la protection de l'environnement, ont besoin de ce cobalt et de ce coltan. Quand on parle aujourd'hui de la voiture électrique en 2030, mais on pense à quoi d'après vous? On pense au lithium du Congo. Regardez le contraste entre le mineur qui creuse ce minerai sur lequel le monde entier compte pour sa transition écologique, ce minerai qui fabrique ces belles voitures et ceux qui les possèdent, ceux qui en bénéficient. Savez-vous que pendant que la planète entière s'emploie à dompter cette richesse minière, la RDC, elle, n'en tire qu'une centaine de millions de dollars par an. Une goutte d'eau dans la chaîne de valeur. Savez-vous que la Tesla, par exemple, n'achète pas de coltan ou de cobalt à la RDC? Ceci malgré les appels du pied du gouvernement pour la séduire. Savez-vous qu'aucun de ces constructeurs, tant de voitures électriques que de ces objets du quotidien dont nous avons besoin, n'achète directement sa matière première à l'État congolais? Tout ceci est sous-traité avec des intermédiaires asiatiques, libanais et autres qui ont souvent réduit les Congolais dans leur pays à l'esclavage. Notamment les Chinois dans le cobalt qui traitent avec les bandes armées. Ces bandits qui sèment le chaos et la mort, qui sont équipés entre autres par le Rwanda et l'Ouganda, mais également par ces mercenaires du minerai. Nous sommes quand même malheureux de constater que nous ayons tout cela et nous nous posons la question de savoir chaque fois que devons-nous faire pour que tout le monde comprenne qu'il vaut mieux traiter avec nous directement dans un esprit gagnant-gagnant, puisque nous n'avons jamais fermé la porte à personne et que les populations congolaises sont fatiguées de pleurer leur mort chaque jour. Je pense qu'il est impossible ici de faire l'inventaire de toutes les richesses dont regorge le sous-sol de RDC. Du diamant en passant par l'or, le cuivre dont elle est encore la principale source et autres métaux précieux. Le lithium, le nickel, les terres rares, bref, il faudrait des jours entiers pour en faire l'inventaire. Mais le constat, elle-même, ces richesses ne profitent pas à la population. Nous avons une population qui vit dans la pauvreté pour la plus grande partie, et ce serait injuste, et elle ne comprendrait pas
que nous ne puissions pas utiliser ces ressources pour son bien-être, parce qu'elles sont là pour ça. Un riche pays de pauvres. Ici, les riches minerais bénéficient plutôt aux groupes internationaux, aux trafiquants de tout poil, dont j'ai déjà largement parlé dans une autre chronique sur cette chaîne YouTube. Entre 2010 et 2014, les entreprises minières et pétrolières ont mobilisé des revenus de l'ordre de 48 milliards et demi de dollars, alors que le pays n'en a tiré que 6 milliards 9 de revenus. Nous, les Africains, nous devons cesser de pleurer comme des petits enfants, alors que nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions démarrer. C'est vrai, dénoncer, c'est important. Cela permet de mettre le doigt sur des injustices, des violences, mais agir contre elles, c'est encore mieux. Une fois que le constat est fait, que le diagnostic est établi, la jeunesse mieux outillée doit prendre les choses en main, doit changer la donne. Le game change, comme ils disent. Tout Africain doit regarder la RDC comme une opportunité, comme le pays solution. Au cours des deux derniers siècles, les États-Unis d'Amérique et les pays de l'OPEP ont géré le monde en contrôlant près de 30% du pétrole mondial. Les pays du Golfe ont fait bénéficier à leur population des dividendes directs des ressources de leur sol. Elles ont fait de leur population les plus riches du globe. On les envie. Les grandes nations les respectent. Elles dictent leurs lois dans les grandes décisions du monde. Elles font l'objet d'un réel respect, d'une cour assidue des grandes puissances. Il suffit de regarder comment les dirigeants des grandes nations se bousculent à leurs portes. En cette période de crise énergétique, ils contrôlent le monde. Il vaut mieux ne pas se fâcher avec eux. Le Qatar vient d'ailleurs d'en faire la démonstration en faisant taire ses détracteurs et en organisant l'une des plus belles coupes du monde de football. Pourtant, de ce côté-là, nos pays ont encore une fois échoué. Ils ont loupé le coche puisque les nations qui avaient eu le privilège d'avoir dans leur sous-sol du pétrole ont pour la plupart sombré dans le chaos, comme l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Nigeria et j'en passe. On en est même arrivé à parler de la malédiction de l'or noir. Une malédiction qui, curieusement, ne frappe que les pays du sud du Sahara. On va essayer de tourner le dos à ce triste épisode et regarder résolument vers l'avant. D'abord, nous sommes le centre de l'Afrique, le cœur de l'Afrique. Nous faisons le lien entre le sud, le nord, l'est et l'ouest. C'est une position on ne peut plus stratégique, une position capitale en Afrique. Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Vous savez, ce pays a depuis toujours été un frein au développement de la région, une sorte de base arrière à partir de laquelle il est possible de déstabiliser tous les pays voisins. La santé de notre vieille terre dépérit et les enjeux climatiques deviennent cruciaux pour sa survie. La transition énergétique devient le centre de toutes les politiques. Au moment où le monde entier est entré dans cette nouvelle religion, cette nouvelle doctrine, avec comme mot d'ordre la protection de l'environnement, c'est l'instant pour les Africains de prendre la main. Puisque l'essentiel des outils nécessaires à cette transition écologique sont en Afrique. Sans l'Afrique, cette transition écologique ne se fera pas. Et avec son immense potentiel, la RDC est le pays locomotive, le pays solution. Ce qui explique le soudain intérêt, la subite mansuétude des grandes puissances pour elle. Si Washington, Londres, Berlin, Pékin, Moscou ou Paris manifestent d'un coup un attachement, un intérêt pour les victimes des exactions des groupes armés en RDC, c'est bien parce qu'elle a bien compris qu'il vaut mieux être bien positionné dans ce pays. C'est que toutes ces puissances ont compris qu'il faut arrêter de dealer avec des sous-traitants, avec des trafiquants, pour traiter directement avec le propriétaire. La solution de la sous-traitance, avec les risques et les drames qu'elle suscite, n'a pas d'avenir. Il vaut mieux donc s'entendre avec les dirigeants de la RDC. C'était devenu tellement clair que la communauté internationale, dans sa majorité, n'avait plus d'autre choix que de soutenir la RDC. La RDC est très convoitée. Les clivages entre la Chine, la Russie et les États-Unis, c'est des choses qui ne peuvent pousser les États-Unis qu'à faire très attention. Si la RDC continue à se sentir lâchée par ses partenaires traditionnelle, elle peut basculer dans l'autre sens et ça sera très compliqué. Ils ne pouvaient pas se permettre. Les enjeux sont tellement énormes pour la RDC qu'ici, il faut faire un choix entre Kigali et Kinshasa. Il n'y a pas match. Analyse lucide. Seulement, les Africains doivent-ils être
de seuls spectateurs dans ces alliances, de cette nouvelle stratégie des grandes puissances? Sont-ils incapables de saisir cette nouvelle donne à leur avantage? Sont-ils incapables de procéder comme les autres l'ont fait pendant des décennies dans le pétrole? Parlons du changement climatique. Nous sommes quand même le deuxième poumon de l'humanité. Mais qu'est-ce que la République démocratique du Congo reçoit en contrepartie? Zéro. Je ne dis pas que c'est la faute aux autres. Nous devons élaborer des politiques pour que cet oxygène que nous donnons gratuitement aux gens qui polluent l'atmosphère et qu'on nous demande de ne pas couper nos forêts, en même temps, nous n'avons pas des énergies alternatives pour nos milliers ruraux. Il faut qu'il y ait des compensations. Vous êtes d'accord avec moi? Avec les grands Inga qui a été au fait et qui reste les piliers de l'industrialisation de l'Afrique et qui est capable de donner l'électricité même à l'Europe de midi, même dans une partie de l'Asie du Sud-Est. Mais pourquoi? Et je suis étonné que jusque-là, on n'a pas eu de coupée d'électricité. Peut-être qu'il y a le démarrage automatique du groupe électrogène. Je t'ai dit que nous sommes un paradoxe. Avec ses 120 millions d'hectares de terres arables, le lac Tanganyika, le plus poissonneux et le deuxième lac au monde par le volume et la profondeur après le lac Baïkal, mon pays peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi deux fois le déficit alimentaire mondial. Le Congo a 13% de toutes les eaux douces du monde. Il faut citer d'autres pays, à part le Canada, la Chine et les États-Unis. Celui qui contrôle la RDC est certain de pouvoir approvisionner l'ensemble des économies de demain, à la fois en matières premières indispensables à la transition écologique, en énergie propre, mais également en denrées alimentaires, et ceci sur l'ensemble du globe. Le changement passe d'abord et essentiellement par une réelle prise de conscience des Congolais eux-mêmes. Il est peut-être venu le moment, pour ce vaste pays riche de ses 100 millions d'habitants, avec tant de richesses naturelles, sur une superficie plus grande que l'Union européenne, d'arrêter de se diviser, d'arrêter de ne parler que de politique, pour prendre la mesure de son potentiel, pour prendre conscience que la nature a fait de la RDC le moteur, le catalyseur du développement de l'Afrique entière. L'Afrique doit aimer l'Afrique et aller dans les combats de la mondialisation en prenant rendez-vous avec son histoire, comme l'a fait l'Asie, l'Amérique latine. Nous sommes les derniers à saisir la chance pour aller au rendez-vous avec notre propre histoire et nous en sortirons. La RDC reste le pays pivot et sa vocation, c'est d'être la locomotive de l'Afrique. Les Congolais doivent arrêter d'être un frein pour le démarrage de l'Afrique, pour en devenir le moteur, l'accélérateur. Le Congo a vocation à tirer les autres, en grandissant, à tirer les autres vers le haut. Mais si les choses ne sont pas faites correctement, ce que nous avons subi pendant les 25 dernières années de l'ancien régime, eh bien, c'est que le Congo devient comme une proie pour les autres. Souvenez-vous et gardez-le à l'esprit, ces propos, j'allais dire, cette image de Frantz Fanon. L'Afrique a la forme d'un revolver dont le Congo est la gâchette. Les Congolais doivent garder à l'esprit que si la gâchette est enrayée, le coup ne partira pas. Nous nous détestons nous-mêmes. Je crois que nous devons créer une véritable union sacrée des intelligences congolaises. Il est urgent pour les leaders congolais de sortir de cette logique de la division. Il est également urgent pour ces leaders de regarder le continent dans sa globalité, dans son intégralité, comme les composantes d'une machine sans lesquelles elle ne peut fonctionner. C'est ensemble que ce potentiel pourra être optimisé. La coopération est la clé. Mais qu'est-ce qui empêche, comme je l'avais si bien suivi ici, j'ai oublié l'intervenant, que les responsables africains se concertent et qu'ils appliquent la loi élémentaire des avantages comparatifs. Pour, au lieu de se mener une concurrence aveugle, le Congo-Brazzaville produit des maniocs, le Congo-Kinshasa augmente aussi la quantité de maniocs, mais il faut étudier entre les deux pays lequel peut produire ces maniocs au moindre coût pour laisser à l'autre le produit du riz. Et pour que cela marche, mais il faut qu'il y ait des communications entre nous. On ne pourra pas tout attendre des dirigeants et des chefs d'État. C'est en cela qu'il est temps pour la jeunesse africaine de s'intéresser à ce qui se passe dans ce pays et de s'y investir. Pas pour contrôler le pays, mais pour participer au changement du rapport de force avec l'international.
plus en plus de transformations locales sur le cobalt, sur d'autres produits, bientôt sur les batteries. Vous avez entendu que dernièrement, on a lancé les travaux sur la zone industrielle qui sera à la frontière avec la Zambie. C'est vrai qu'il y a un peu plus d'un an, le président Félix Tshisekedi et son homologue zambien ont lancé une initiative conjointe pour développer la filière des batteries électriques. Mais le privé africain doit également s'en saisir. C'est une urgence et la chaîne de valeur doit s'étendre à la plupart des pays qui en ont les moyens et la ressource humaine. Le monde entier doit s'approvisionner en batteries électriques dans un bref délai en Afrique. Nous avons la matière première et des ressources humaines jeunes, de mieux en mieux formées et décomplexées. Ceci doit donc être possible. Il faut sortir du discours pour passer à l'action. Vous, jeunes, n'avez pas l'excuse de l'ignorance ou de l'éducation que nous pouvions brandir. L'argument de l'absence des capitaux ne tient pas non plus, puisque vous avez l'ingénierie pour lever les fonds sur le marché. Le projet est largement bancable. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, en ce moment même, l'Afrique, une fois de plus, aura loupé le coche de sa transformation et de l'industrialisation. Vous, jeunes, devez éviter l'humiliation que nous avons connue. Vous devez tout faire pour ne pas être comme nous, dans quelques années encore, dans la complainte. L'opportunité est là et vous devez la saisir. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Vous ne pourrez pas dire que vous étiez enfermé comme nous dans les petits particularismes nationaux. L'Afrique est prête et propice pour le changement. Au travail, aux hommes politiques aussi, d'y mettre de la volonté. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube qui compte de plus en plus d'abonnés, mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Cette fois-ci, plus de réelles raisons de vous laisser avoir puisque, comme vous l'avez certainement remarqué le long de cette chronique, nous vous proposons un QR code à scanner pour être sûr d'être sur notre plateforme, la vraie. Elle vous évite, du moins pour l'instant, de continuer de subir les assauts de cybercriminels qui usurpent mon identité à d'autres fins. Je vous prie donc de scanner ce QR code si vous ne l'avez pas encore fait. Il vous conduit directement à tous mes comptes LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. En le scannant, vous êtes cette fois-ci certain d'être sur les bons comptes. Celui qui vous propose le narratif africain, sans complaisance, mais sans condescendance. Sébastien Faye, Thomas Holland et toute l'équipe de ma chaîne YouTube Alain Foucault officielle, nous vous souhaitons à tous une bonne année. Une année de succès, de transformation positive du monde en général et de l'Afrique en particulier. Une année où on caresse l'espoir que l'Afrique va prendre son envol ou au moins amorcer le changement. À très vite.